la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Bien sorti par nous. Où sens-tu là? Il veut parler. La vie là, son témoin était tellement émotionnel que j'ai sauté. À tout moment, ça m'a trop choqué. Oui, il y a des abeilles qui me chantent. Ils sont en train de me détruire. Vous voulez parler? Yes, vous voulez la sorcellerie? C'est toi qui as de la monde. Hein? Tes amis élèves, moutons, cabris, comme ça on va manger ça demain, poulet de chair. Toi tu élèves une bête qui boit ça. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez mis? Quelque chose? Hein, il veut manger ses viandes de l'homme. Son bissac là, c'est le sang de l'homme. C'est ça toi tu vas gâcher. Mon blood. Tu as parlé. Va là-bas. Tu as guidé dans ça. Qui t'envoie là-bas? C'est un lien. C'est un lien. C'est un lien. Comment est-ce que ça vous envoie? C'est bien, c'est bien. Comment est-ce que vous plaît? Allez-y, vite. Comment est-ce que vous ne pas ma qui? Qu'est-ce qu'il y a? Le papa, il est venu. J'étais sur moi et puis il m'a fait tomber. Et puis il a versé l'eau sur moi. Tu mens. Où tu envoyais rien? Où tu envoyais rien là? Toi, on peut te faire tomber. Quelqu'un qui a dragon. Tu me prends pour un ton délivré. Vous serez délivrés. Comment vous délivrez? Cette année, on est trop chaud. Comme ça, vous allez avoir l'argent. Nos églises, vous allez être. Non, ouais, là, comme ça. Vous allez construire 2000. La puissante église de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un camp où chacun viendra pour, n'est-ce pas, un pèlerinage. Amen. Amen, papa. Vous n'allez plus dormir dans les hôtels. Amen. Un biamou, doucement. Ton dragon là, il va l'exploiter. Le temps qu'on va construire une loi des champs, on va construire une loi des maisons, des champs nippés, une loi de supermarché, de restaurant. Amen. Quand vous allez vous mener là, tout ça là. Vous souffrez trop. Je vois les conditions dans lesquelles vous trouvez. C'est pas facile. Non, Jacob. Chez nous, encore, tu vois, quand il y a Covid, je compatis avec toi. Oui. Et je suis de tout cœur. Hein? Yako, bientôt, ça va finir. Moi, je sais qu'en un an, on va venir à l'église à côté de nous. C'est le général. En un an, on va finir à l'église. Nous, comme main, brique là, c'est fini avant. Amen. C'est pour ça qu'on attendait moins 4 ans avant de commencer. Amen. Chacun doit envoyer son argent pour l'église. Amen. Le premier au 5, c'est un peu. Tout le monde doit être ici. Si tu es au Canada, ne rate pas l'événement. Ne ratez pas l'événement. C'est vraiment un truc de taille, cette convention. Tous les enfants spirituels dans le monde, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, le premier au 5 août, ici ça va vibrer. On va vous consacrer, on va vous laver votre vie. On va vous donner une autre orientation à votre vie. Une nouvelle direction pour vos vies. Ton dragon. C'est pas ça qu'il a demandé. Vous t'envoyez guérir. Combien? C'est là la question.
Je suis tombé. Par qui? Où t'as vendu tes reins? Je suis tombé par Bogosrako. Tu n'es pas tombé. Qui a, tu as vendu tes reins là? Qui? Et pourquoi? À les sorciers. Pourquoi? Pour devenir quoi? Pour devenir reine. Hein? Donc marche. Tu es devenu reine marche? Ah, marche combien? Tu ne peux pas marcher. Je suis en train de te demander pour suivre ce qu'on entend. Ce n'est pas moi qui t'envoie dans le fait de sorcellerie. Mais je peux te délivrer. Je te pose des questions, réponds-moi. Maintenant, tu as vendu où? Donc, il faut marcher. Tu ne peux pas marcher. Regardez. Marche, moi. Ouais. C'est pas bête. Hein? Vous me regardez. Regardez. Marche, quoi. Aïe, c'est pas moi qui t'ai d'aller vendre. Tes amis vendent bananes, régis des bananes. Ils vendent escargots, du blé. Toi, c'est tes reins qui vont vendre. Maintenant, t'es venu, reine, là, tu fais quoi? Faut me regarder, hein. C'est toi qui allais vendre tes reins. Tu allais vendre tes reins, là. T'es venu quoi, là-bas? Reine. Ah, donc tu es reine. Ça veut dire que tu es bien, les gens. Ah, c'est ce que ça veut dire. Tu as eu quelle force ou chance? Eh, faut parler, tu n'es pas chez les temps. Hein? Il y a des gens que je dois parler, prier pour certaines personnes. Je suis devenu reine, je suis dans le royaume, et puis les gens viennent à côté de moi. Ça veut dire quoi à côté de toi? Comme ça? Ça veut dire quoi? C'est en sorcellerie là. Mais à côté de toi, comment? Comment? Ça t'a donné quel pouvoir? Parce que tu peux avoir tes reins comme ça. Ça m'a donné le pouvoir de tuer. Mais tu tuais avant, non? Maintenant, voilà. Tu, tu tues plus. Et c'est bon quand tu tues. C'est pas bon. Arrête tes conneries. Oui, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est pour ça que tu allais doubler ta force. Et tu as tué combien? 330 personnes. 330 personnes. Regarde la caméra là. T'as tué combien de personnes? 330 personnes. 330 personnes. Comment tu les tues? Faut t'asseoir, faut t'asseoir, faut t'asseoir. Comment tu les tues? J'ai machette. Donc je les tue avec machette. Mais comment tu fais pour les tuer? Je les transforme à... Non, avant de les transformer, ils sont quelque part. Comment tu accèdes à ta victime? C'est-à-dire comment tu fais pour rentrer dans la maison de ta victime, la personne que tu dois tuer? Tu fais comme ça. Quand je rentre, je l'appelle. Tu rentres comment? Tu sais quand il rentre à la clé de la maison? Je rentre. Tu as dit, je rentre, tu as laissé ça sur combien de minutes? Je me transforme en dragon, vite je rentre. Comment le dragon est? Eh. Le dragon, peut-être. Quand tu dis que tu te transformes en dragon, explique comment ça se fait. Non, on veut entendre, c'est un mystère. La sorcellerie, il est en train de démystifier. Toi-même, tu sais que si tu ne dis pas, vous savez, la sorcellerie, une fois c'est pas dévoilé, c'est fini. Mais une fois tu dévoiles, c'est fini. Ils n'ont plus de force. C'est ça. Je rentre dans le dragon. Et je suis sur ça. Bon, attends. Toi, tu nous expliques. On veut que tu expliques le phénomène. Comment tu rentres dans le dragon et comment tu vas exercer. Pour lui expliquer cette petite partie. C'est ce qu'on veut entendre. Tu as déjà dépassé 15-10 minutes, tu vois, donc tu nous perds. Je deviens moustique.
j'ai pas compris. Dragon moustique. Tu rentres dans le moustique, tu deviens dragon. Je deviens dragon. Oui, et puis qu'est-ce que tu fais? Maintenant, le moustique, cherche quoi là? Je deviens dragon. Mm-hmm. Et puis, je rentre dans la maison de la personne. Et que tu fais quoi là-bas? Quand je rentre, je l'appelle. Mm-hmm. Trois fois. Mm-hmm. Puis... Je vous ai parlé de sécuriser l'âme, ça veut dire... J'ai tué son sang. Son sang comment? Ah, mais sucer, c'est pas comme ça. Il y a une autre manière de sucer. Ça, c'est la paix. Ça, c'est la paix. Sucer. C'est comme ça. Vous voyez, la paix, c'est... Mais sucer... Tu suces. Hein? Tu gagnes quoi dans ça? C'est pour le pied. Oui, mais bois sang là. Pourquoi tu ne le tues pas et puis tu suces sang? Je suce son sang, ça m'a passé. Mon dragon, il suce le sang. Mmh. Ton dragon, il suce le sang. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Donc, ça veut dire. Toi, tu as une, ça veut dire une bête et ça boit le sang. Réponds-moi. Oui. C'est pas moi qui t'envoie dans la société. Oui. Oui. D'accord. Comment tu peux voir un être humain, un homme comme toi, ce côté-là, vraiment, il faut que vous nous expliquiez ça. Et puis vous rentrez, vous le voyez. Tu vois la personne peut-être couchée, hein, dans sa faiblesse. Et toi, tu pénètes sa chambre. Et du coup, tu... Ah! Vraiment ce côté-là. Et tu suces. C'est quel papier? Quel passé tu mets? Ta bouche. Les toques. Ça va, le sang sort beaucoup. Hein, comment elle est pour moi ici là? Elle dit, hein? Comme ici elle est pour moi, c'est ce qui purifie le sang. Donc elle met sa bouche, le sang sort. Et après, quand tu enlèves le sang, tu manges. Mais il a bu, maintenant viande là, tu fais quoi ça? Je mange. Tu prends quelle partie pour manger? Seulement. Mmh. Et les autres morceaux? Graisse. Tu es malade. Ah, je mange. C'est moi qui t'entends jouer. Hein? Toi, t'es reine. Tu sais, qu'est-ce que tu as mangé? Tu as tué bien là pourquoi? Vous êtes combien dans votre société, votre confrérie? On est cinq. Qui est qui? Coco Sarko, Marc. Lui-même, son nom, ça a eu des soucis. Comment il s'appelle? Coco Sarko. Tu es de quelle région? Gagnoua où? Tu es où ça? C'est quel canton? C'est quel canton? Je parle en canton. Ah, c'est Guébié? Les Guébié, là, ils sont pas loin des Dida. Où est les Dida? Alors, non, allons-y. Coco Sroko, c'est quoi, y'avait? Ah, Coco Sroko. On sait qu'il est Dida. Le nom est Dida. Albert. Albert Dida. Dano. Dano. D'ailleurs, Dano. Dano. Honoré. Puis moi, Marc. Trois garçons, deux femmes. Et toi, tu la reine. Toi, quel est ton rôle? Je suis la reine. Et tu fais quoi? Ça dit, tu fais quoi? Quelle est ta mission? Tu fais comment? Quand on envoie les choses, on envoie ça devant moi. Quelles choses on envoie? Quand on tue, on amène ça devant moi. Quand on tue les gens. Il faut préciser. C'est toi maintenant qui partage. Tu donnes la part de certaines personnes. Oui. Au village là-bas, tu as gâté quoi? Au village là-bas.
de garder la vie de ma fille. Non, ça c'est la famille. Mais au village, tu as gardé quoi au village? Au village. Tu vas revenir encore là-dessus, au village. Mais tu nous perds du temps. J'ai déjà dit au village. Donc, à quoi continue? C'est qui t'a gâté la tête? Au village, j'ai gâté ma fille. Mais c'est la famille. Ça, je ne sais pas. C'est pas le village. Je n'ai pas dit dans ta famille. Au village, dans ton village, t'as gâté quoi? Tu n'es pas dû parler? Je ne veux pas dire. Hein? Tu ne peux pas parler pour partir un terrain. Je veux parler. Hein? Chez moi aussi. Je veux parler. Hein? Je veux parler. Mais attends, donc tu me perds le temps pourquoi? Au village, j'ai gâté l'intelligence des gens. Mon mari. L'intelligence des gens. Ton mari, il faut laisser ça. Il est au village. Tu as gâté l'intelligence des gens, c'est ça? Pourquoi les gens ont reçu dans le village? Oui. Donc c'est moi qui ai dit ça. Tu as fait ça à moi? Bon, quitte, maman. Non. Va aujourd'hui, non, on te libère. Non. Ton dragon, il a faim. Pardon. Il va te manger. Non, pardon. Allez, va. Pardon, j'ai gâté les gens. Allez, qui va mourir? J'ai gâté le village. Elle a laissé son dragon, là, la bête, là. C'est depuis sa gêne. Tu vas couper carrément. Allez. Mais qui dit, maman? On te dit de parler, t'entends, tu sorcellerie, c'est bon ou pas? Quand tu ne veux pas parler, je suis en train de t'aider, tu me perds du temps. Les gens ici, là, ils sont venus pour être délivrés. Après, là, je vais passer toute la journée pour les écouter. On prend la peine pour te dire, parle, parce que quand tu les dévoiles, quand tu te délivres toi-même, tu mets du temps au village, okay, tu ne perds du temps, tu me dis ce que tu veux t'en faire. C'est moi qui t'ai envoyé ici. C'est moi qui t'ai envoyé ici. Alors, tu me dis ce qui se passe ici. T'as tué 300 combien? 30 personnes. Oui, j'ai gâté les gens. C'est un carnage. Je n'ai pas réussi. Un génocide, voilà. C'est payé mieux. Hein. Nous, on va passer pays spirituel. Mais c'est vrai. Mais oui. Spirituel, on va les mettre là-bas. Ceux-là qu'on les l'esprit bâti. C'est un génocide. 330 personnes, c'est un génocide. Mon habitué à 100 milliers, 172 personnes, 1072 personnes. Non, on est habitué à ça. 9000. Mais on est habitué à ça. Pendant que tu manges un arbre poisson, ton c'est pour ça qu'il mange. Bon, tu n'as pas envie de parler. J'ai regardé les gens, je n'ai pas réussi. C'est tout ce que tu as fait. Et c'est comment on te force de parler? On te force ou pas? Bon, j'ai écrit. Oh, va, faut retourner chez toi. Pardon. Va, va. Pardon. Qui je veux parler. Qui devant moi? Qui devant moi? Je veux parler. Toi, tu dis que tu es venu pour te faire délivrer, mais tu es sorcier. Maintenant, je te coupe pour te délivrer. Et tu me payes le temps. Oh, le temps, vraiment, c'est précieux. Il y a d'autres qui veulent retourner habitant. Il faut les prendre rapidement, les délivrer. Hé, lève-toi, t'as parlé. Lève-toi. Je te donne une dernière chance. Hein. Faut t'asseoir, hein. C'est moi qui t'ai dit d'aller devant le terrain. Les reins, la Dieu, donc ça c'est bon. Voici les conséquences. C'est pour s'asseoir. Toi tu vends. Comme Nyomi. Les Nyomi, les gens vendent, les parents du là. C'est pas mes différents, différents. C'est comme ça tu vends terrain. Mais comment vous êtes vraiment les malades? J'ai gâté la vie des autres. Et puis mon mari, j'ai dit, il ne me donne pas l'argent. Qui est arrivé sur ton mari? On est sur le village. Parce que là où tu es là, tu es sur le trône. Donc tu commandes une région. Tu as fait quoi dans ton village? Tu as fait quoi dans la région? C'est la question que je pose. Je ne parle pas de famille. On n'est plus au stade de famille. Après, on va devenir les dégâts énormes que tu as causés dans le village. C'est ce que je veux savoir.
Comme ça, à partir de ton, on délivre le visage. Tu n'as pas de parler. Allô, village. Voilà, voilà. Tu vas revenir ici, ça, dans le village. Mais c'est la question qui est posée. On dit de t'élever au. Bon, dès qu'il n'a pas eu. Allô, village, j'ai gâté. Allez, va chez toi. Va chez toi. Il faut retourner, tu as trouvé le dragon là-bas, il va manger. Le dragon là, il a faim. Il va boire ça. Hein? Mais dis d'accord. Va. C'est ta maman, non? Il faut partir avec elle. Je suis fatigué. Elle a galé le dragon là, hein, il va boire ça. Ici là c'est. Allez. Faut aller dans ton village. Je ne veux plus te voir ici. Faut aller trouver ton dragon que tu élèves. Allez. Allez, va. Si tu arrives là-bas, la gâte. Les enfants. Ils vont à l'école, ils ne pas réussir. Celle-là, elle a le pouvoir d'incarnation. C'est-à-dire que tu es en grossesse, elle peut rentrer dans ta grossesse puis manger le fœtus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais... Les enfants, ils ne pas réussir. Et mes amis, là, ils ne pas enfanter. Bon, attends, qui est vraiment? Viens, donne le micro à celle. Quand je travaille, il appelle de venir m'aider, elle refuse. Alors moi, ça m'énervait souvent, je lui disais, mais c'est pas possible, un être humain ne peut pas voir sa maman travailler, et puis tu vas la laisser travailler, et puis elle appelle, t'appeler manger, sans rien faire. Toi, tu n'es pas simple. Toi, tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. C'est ce que je lui disais. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui est arrivé à la maison, à l'intermédiaire de ma tête. Il m'a dit, ouais, que, parce que j'étais en voyage au village, j'étais mon mari. Il m'a appelé pour trouver que la partie qu'on allait emprunter, c'était la partie de maman, que j'allais faire un accident. On allait faire un accident, et dans la voiture, c'est moi que j'allais mourir. D'ailleurs, j'ai été programmée. Que de faire déjeuner. Donc, j'ai jeûné, et on est arrivé dimanche sans problème. Et le lundi, ma belle m'a trouvé là avec le monsieur en question. Et quand le monsieur est arrivé, on est allé dans le balcon, et puis il a commencé à me parler. Que de ne pas me fâcher, que de ne pas me décourager aussi. Que parce que dans ma famille, j'ai une fille, et dès qu'il a dit que j'ai une fille, là, on est parti directement sur elle. Quelle sorcière. Qu'elle t'a programmé. Vraiment, du courage, mais il ne faut pas l'abandonner. Fais comme si rien n'était. Mais lui, il a fait quoi? Bon, il a prié pour nous. Il a prié. Et elle? Elle? Bon, elle faisait semblant de prier. Non, lui, il a fait quoi? En disant qu'elle est sorcière. Quelle est sa contribution par rapport à la sorcière? Bon, là, il a prié. Non, c'est pas prier là. C'est différent. Prier, c'est que tu demandes quelque chose. Quand tu dis quelqu'un est sorcière, tu la délivres, tu ne pas, tu pries pas, tu la délivres. Les expressions, là, il faut bien comprendre le sens des choses dont vous parlez. Tu dis qu'elle est sorcière, non, ça veut dire qu'elle est quelque part dangereuse. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as enlevé en elle? Bon, lui, il dit qu'il a faibli. Ah, c'est ce qu'il nous a dit. Quelqu'un a faibli, il ne va pas se réveiller après. Il est dans le coma. S'il a bu son sang, il ne va pas se réveiller. Comment pas faire bien ça aussi? C'est quelle expression? Sinon, il y a un monsieur, un pasteur. Bon, laissons en faire des messieurs. Vous êtes arrivé ici, il n'y a pas une solution ailleurs là-bas. Voilà. C'est tout. Donc, c'est pourquoi je suis venu. Mais ça dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens. Ils sont toujours dit, elle est sorcière. Ok. Maintenant, tu fais quoi avec la situation? C'est vrai, tu as prié pour les gens qui sont victimes. Mais et la personne sorcière? Peut-être on peut dire, ah non, c'est le prophète Crasso, lui, c'est sa spécialité. C'est lui qui nous a conseillé aussi, le monsieur. Ah, oui.
Il est venu à la brigade. Ah, il a commencé, il ne peut pas achever. Il faut l'envoyer à la brigade. Ah, c'est bien. Ok, on a des trois minutes. Est-ce qu'on va gagner un peu de temps pour le travail? Oui. Je suis sorti. Je t'écoute. Puis on met piment dedans et tout ça. Ah, pour vous c'est maïs. Mais là, le lobby là, vous êtes quoi? Ah, c'est le lobby là, il fait sorgho. Ah, donc, on peut faire ça avec maïs aussi? Ah, c'est bien sucré. Là, il t'a donné Chapalo, tu as bu. Maintenant, la mienne est venue me chercher. Ah. Maintenant, quand il est parti, elle m'a donné, quand on est arrivé dans l'assassinat, elle m'a donné jeune. De l'homme avec du sang. Et bien, m'a dit de lui rembourser, parce que c'est ce qu'elle m'a donné, de lui rembourser. C'est ça, elle a tué mon grand-père. Il était, bon, au ce moment, il était malade. Donc, il est parti à Bijan. Maintenant, quand il est parti. Quel grand-père paternel, maternel? Grand-père paternel. Il est venu se soigner chez vous à Bijan. Mm-hmm. Il était malade. Ok. Maintenant, c'est moi qui lui donne un médicament là. Ah, ok. Donc, il a goûté ça. Ah, ça dit, le médicament pour se soigner, se traiter. C'est toi qui lui donnais, bébé, tiens. Ah, tu en goûtais le médicament, c'est ça? Mm-hmm. Ok. Maintenant, ça n'a pas duré. Elle est venue à la maison. Qui elle? La patronne. Mm-hmm. Elle est venue. Maintenant, le jour où elle devait partir, là, il a fait de sorte qu'il s'en va avec elle. Maintenant, qu'il est au village là. Chasse l'esprit de mort, de la sorcellerie qui s'empare de toi. Ah! Aidez la l'enceinte, s'il vous plaît. Mettez-la du dos. Je détruis à la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. My friend, Jesus. Donc ton père est son frère. Oui. Son fils. Ok. Donc elle est retournée avec son père, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok. Maintenant, elle est avec lui. Le lendemain matin. Non, tu as embouté les médicaments. Ça a eu quel effet? On savait la poudre. Oui, je veux que tu expliques. Parce que quand tu dis, j'utilisais seulement pour lui donner les médicaments, j'engoutais. Tu as engouté, ça fait quoi? Bah, toi-même, tu dis, c'est le médicament pour qu'il guérisse. Maintenant, qu'est-ce que tu as levé dedans? Comment tu as travaillé le médicament? Je veux que tu expliques. Pas qu'il guérisse. Ah, d'accord. Donc, pendant que tu as donné le médicament, ça ne guérit pas. Mm. Il ne guérit pas. Parce que le pied était parti là. Il était parti. Parce qu'il était parti au champ. Maintenant, il voulait. Il voulait tuer quelque chose. Non, elle a parti où tu lui donnes un médicament. Voilà. Donc, quand tu lui donnes le médicament, la partie où ça soit guéri, la guérison thérapeutique, là, tu neutralises. Donc, elle est le médicament, il est vide. Oui. Ok. Maintenant qu'il est au village, maintenant, ça, il est tué. Et comment tu l'as retrouvé au village? Ou bien tu l'avais déjà tué? Non. Mais je t'ai en quoi? En dragon. En dragon. Ah, d'accord. Et le dragon, il est comment? C'est un dragon. Toi, ton dragon, il est quoi? Quel dragon? Est-ce que tu connais un dragon? Ton dragon dont tu parles, il est comment? Je veux savoir comment il est. Tu peux me décrire ça un peu? Oui, comment il est? Explique-nous comment. Il est tu. Hein? Oui, non, ça c'est tu. Mais comment il se représente, comment il est, comment?
Il est comme. Est-ce que tu comprends le français que je parle? Tu peux le décrire un peu. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un dragon. Quel est un dragon? Moi, je ne sais pas quand tu dis. Mais toi, ton dragon, il ressemble à quoi? Il est comment? Il est grand, il est petit. Bon, il n'est pas trop grand. Non, ce n'est pas la taille de Dieu. Pour le décrire. Il est comme un serpent, il a des ailes, il est comme un... Il est comme un piton. Et puis il y a quoi? Il s'envole. Ah d'accord. Il a des ailes là. Ok, allons-y. Maintenant, il peut s'y arriver à pas, il voulait qu'on s'en a marre. Il a dit son nom trois fois. Il dit qu'on m'aime. Comment tu peux aller tuer ton grand-père? Et tu l'as tué? Oui, il a tout son âme. C'est ça, il dit qu'il l'a tué. Il voulait manger. Et toi, c'est depuis quand tu es censé? Donc, tu as tué combien de personnes? 8 personnes. 8 personnes. Excuse-moi, si c'est pas trop. Tu as quel âge? 14 ans. En 14 ans, tu tues 8 personnes? Déjà. Et comment tu as l'habitude de tuer tes victimes? Tu les fais comment pour les tuer? Bon, dans les fois, il y a d'autres qui font accident. Donc ça veut dire que tu peux faire la programmation d'un accident. Mmh. Comment tu t'arrives à faire ça? Il y a tout cas, on fait ça en bois. On fait ça en voiture. Et puis la personne est dedans. Et puis maintenant, quand tu roules là, quand ça va connaître, je sais que ça veut dire que tu vas faire accident. Je comprends là-bas bien. Il faut me bien expliquer. Ça veut dire chez vous là-bas, la programmation, vous avez un genre de voiture. Mmh. Et puis vous voyez l'âme de la personne dedans. Et vous parlez sur une voiture comme ça. Et puis maintenant, la voiture, on le pousse. On pousse, et puis ça pointe quelque chose. Mmh. Vous savez qu'il doit mourir par accident. Mmh. Et tu as gâté la vie de qui? Ma maman. Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie? Son commerce. Elle est commerçante. Tu as gâté quoi? Il fait le sorte qu'elle ne gagne pas de l'argent. Et puis il fait. C'est bête. Elle ne gagne pas l'argent. Pourquoi? Tu as quel profit? C'est-à-dire que ta maman n'a pas l'argent. Toi, tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes dedans. Mais tu gagnes, si tu gagnes quelque chose, ta propre mère, qui doit te donner à manger, toi, tu gâtes l'aspect, la prospérité, l'argent. Sans argent, on n'est rien. C'est terrible, hein, la société. Ça me pourrit sur l'esprit. J'écoute les choses jusqu'à. Je me dis, ben, nous sommes dans quel monde? Et mais en même temps, je fais ça impassionné, mais il faut que je les attaque aussi. Il faut que je les. Je sois, n'est-ce pas, le. C'est pas comment on dit. Oui, je sois quelqu'un qui combat à la place des victimes. Ça nous est derrière moi et puis on a Dieu avec nous et qu'on les mate. Amen. Ouais, il faut qu'on les mate. La sorcellerie. Quand tu parles de sorcellerie, il faut être dans ton sérieux pour que tu nous parles. Parce que quand tu dis sorcier, ça veut dire que tu es criminel, tu es brigand, gangster. Voilà, c'est comme ça, c'est ton nom. Sorcellerie, ça veut dire tuer. C'est tout. Vous voyez la vie des gens, vous pourrissez la vie des gens. Vous les tuez, vous les mangez, vous les donnez une maladie mystique. Vous les rendez, vous pourrissez la vie des gens. Et puis, il a gardé son foyer. Comment? Bon, dans le monde spirituel, là, je couche avec elle en sa sonnerie. Oh non! Tu couches avec elle? Mm-hmm. Je ne comprends pas pourquoi elle te respecte pas. Ouais. Je comprends pourquoi elle a pu me respecter. Elle te voit dans sa copine. C'est pas ça. Oh, c'est un bon Dieu ici. C'est ici. Il y a la solution. Va nous expliquer comment tu fais. Tu couches. Mais elle a une alliance. Maintenant, comment tu fais? Je lève mon papa de son lit. Il est très pauvre. Il doit rentrer. Et les gens, quand ils rompent, frère, on est le nuit, la chambre est partie. Et les gens, c'est les rompeurs, oh, c'est les sorciers qui étaient là. Hein? Comment tu enlèves le beau type? Je vois un beau type.
Ça s'appelle que la chance de l'ici, ou bien? Ou bien? C'est pas ça l'expression en droit? C'est une violation de l'ici. Mais oui, ah, tu l'enlèves. Le cœur est pour lui coucher avec sa femme. Chérie, donne un même pas. Yo. Comment tu fais? Ça va? Nous on a habitué à ça. Nous on a pitié d'elle. De toute façon, on a pitié aussi. Toi, on a pitié d'elle. Maintenant, comment tu le son mari? Comment tu l'aimes? Moi, je veux savoir. Ah. Et tu l'envoies où? C'est une belle salonnier. Toi, tu connais bon chef. Tu connais lui. Tu connais lui. Regarde le salon. Après, il t'entend. C'est à terre ou bien dans le canapé. À terre. C'est mauvais, hein? Bien compris. Vous n'oubliez pas où confier au Seigneur pour que vos âmes soient protégées. C'est dans le salon, son chien va vous envoyer. Dans votre promesse. C'est la vérité. Et les pauvres n'entendront pas. Comment elle va vous respecter dans la maison? Quand un enfant commence à être têtu en des cabris, ça veut dire qu'il vous moins dans la maison. Il paraît qu'elle ne te coûte pas, mais il te gère. Elle a compris. C'est ce qu'on appelle le discernement. Toutefois, quand il y a la sorcellerie, à une personne qui va d'abord révéler. Et c'est cette personne qui commence à être victime de la famille. C'est elle, on dit, ah non, tu vas chercher partout, notre maman n'est pas sorcière, mon maman n'est pas sorcière. Ok, ça commence comme ça. Elle avait commencé déjà. Dieu a commencé. C'est-à-dire que vous savez, quel que soit le truc, il y a une autre intuition, qui peut n'être pas être prophète, mais à ton intuition, Dieu ouvre. Il te fait montrer que ce qui se passe là, c'est de la sorcellerie. Amen. Comme Dieu, il est souverain, il va commencer à parler de, oh, c'est cette personne qui sera méprisé, chassé. On ne va pas comprendre. Parce que c'est des choses qui sont spirituelles. Amen. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Mais ne prenez pas, c'est-à-dire, ne rejette pas cette parole. Il ne faut pas dire, ah non, tu vois les sorciers. Non, il faut toi prier. C'est une révélation. Quelque part, toi tu te pries. En priant, tu vas voir que le Seigneur, parce que tu n'es pas prêt à recevoir cette révélation, Dieu n'a pas de parler à cette révélation. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Ah, c'est pas à tout le monde que Dieu parle. Does not talk to about it. Ah non, c'est ça. That's it. Ok, donc on va l'écouter maintenant. Il faut qu'on ait trois micros qui vont beaucoup nous aider. Parce que c'est important, sa traduction en anglais. J'ai déjà gâté mon grand frère. Non. Comment tu deviens. Comment tu deviens homme, garçon. How do you become a man? To have sex with her. Comment tu veux? Montre-moi comment tu veux. Attaque my house three times. T'as battu gauche ou quoi? Gauche. Right side. Chacun a sa méthode. C'est où tu tapes? What did you do? Combien de fois? Three times. Montre-moi comment tu veux. Show us. Et il y a quoi après? The book doctor. Eh? 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 Then the penis comes out. On veut savoir des choses. Mais c'est ça. C'est ça l'ignorance. Par moments, les gens ne savent pas. Ignorance. Ils vont prendre ça pour des conneries ou que c'est une vérité. The problem that consider it is it. Donc quand tu fais 1, 2, 3, when he touches three times, the penis comes out. And then you put your father out. Why doesn't he stay in the same room and take him out from the house? So that he can be free. So he passes toute la nuit là ou même. So he spends all the night. Quelques minutes. All 10 minutes. Sometimes, I spend the night, ta femme là, toute la nuit. All night,
Et puis à des fois tu dis bon non. Et sometimes. Je fais une fois puis mais dormir ailleurs. Just one time it goes. Mais en couchant avec elle, tu gâtes quoi? Tu gâtes quoi? Only this for when you have sex. Son foyer. Son foyer ça veut dire. Her house. Que venait de sortir cette dispute avec mon papa. So that she could be in trouble with my father. Souvent il a fait quelques rapports, mais seulement. Sometimes. Quand ça avait arrivé. When it's about to happen. Did you pray much? Ask the Lord. Je n'aime pas la violence. Surtout dans la maison. It is my heart. And now I feel that my heart is full of anger. And with a prayer, it comes down. This is very interesting. She already told us this picture. She had le fait de comprendre que she dans toute chose, il faut prier. She knows that we have to pray. Ça, ça manque beaucoup de gens. And this is missing people's lives. D'abord, quand on a le discernement, when we have that, ça crée à nous la maîtrise. This can allow us to master ourselves. To pray this situation coming to us. Ah oui? Yeah. Parce que quand une situation se prête, because when a situation is happening, il faut avoir une interprétation de ça. You must know donc elle comprend qu'avec la violence, that she understand that on ne peut pas résoudre le problème. D'ailleurs, pour un couple, ce n'est pas bon. For a couple, it's not good. Donc, elle se maîtrise. But she mastered herself. Oh, d'autres n'ont pas ça. That too many people do not have this self-control here. RPG de bouche. Ready to attack. Vous connaissez l'arme qu'on appelle RPG, ça peut faire sauter une voiture. RPG, on a fait la guerre, sinon qu'on connaît les armes. We know amen. Different sort of weapons. Dans les femmes, RPG. We have some women. Le monsieur est mort, en même temps. J'ai mort de la guerre. Ready to fight. Mais il ne sait pas où va te taper. Because he doesn't know where to le bouche là, c'est RPG. The mouth, ready to attack. Elle se maîtrise parce que c'est dit. She mastered herself. Si je ne maîtrise pas, ça va tout gâter. Myself, parce que la situation, ça fait ça choc. Ok. Ça va tout gâter. Donc se maîtrise. Vous avez compris? You know, c'est un enseignement très fort. It's qu'on a l'habitude d'enseigner ici. Pourquoi? Why? Parce qu'on dit que le soleil because the sun ne se couche pas. Si ta colère comes down on the anger. Oh, la grande stratégie de la sorcellerie pour diviser, divide, pour régner, il faut diviser. Before donc, elle comprend que dans un coup, c'est comme ça. Il faut que quelqu'un comprenne. Dans so le coup, is to understand il faut qu'une personne, si vous aimez, one person, when you love each other, la maîtrise. You must have self-control. Ouais, ça c'est important. This is et ça aide. This can help. Ça a aidé sur ce qu'on est, on a ce stade aujourd'hui. That's why we have break voilà, this si on n'avait pas eh, utile, il y a longtemps les morts. She was there for a long time. Ça va. Voilà. Nous sommes à la fin de tout ça. We are the end. Amen. L'aide fait en toutes choses. C'est ce qu'il dit aux gens. Fait tout, mais il y aura toujours une fin. Voilà. Dieu il est là pour nous les pauvres. God is et quand le malheureux puis l'éternel entend, il est toujours là pour nous. Crying. Ayez toujours, n'est-ce pas, le dernier recours, la prière. N'ayez pas le recours, la violence. N'ayez pas le recours. Une autre solution, c'est que devant Dieu. Amen. Tout doit se résumer devant Dieu. Il y a un problème, mettez-vous à genoux devant Dieu. Il donnera toujours la solution. Nous sommes tous allés à l'école, n'est-ce pas? Quand on fait les maths, n'est-ce pas? La première case qu'on trouve, c'est quoi? Problem. Le problème d'abord, quand il y a problème, hein? La première case c'est quoi? Et après ça? Non. Et puis? L'addition et résultat. Non. Addition, résultat, opération. Vous allez faire mal, vous n'avez pas de mathématiques. Vous ne pouvez pas jouer, moi, je suis trop mathématique. Il y a un problème, non? Il y a trois cases. La première, solution. La deuxième, résultat. La troisième, opération. C'est très bien. C'est comme ça. That's the way. Quand j'ai un problème, quelle est la solution? There is always already the solution. Amen. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. This is what we have to. Et la solution ne se and trouve qu'ici. C'est tout.
Si vous envoyez Dieu dans ce problème, il donne la solution. Mais si vous le laissez, vous avez des problèmes. Donc dès que ça arrive, prie. Si tu peux attraper un mur, prie. Si tu peux t'éloigner de ça, prie. Pour que tu dises, Seigneur, il faut que tu interviennes et tu vois la main de Dieu. Ça va? Is it okay? Non, il y a des choses, il n'y a pas de poser trop de questions parce que je veux moi-même comprendre des choses. Si je pose des questions, ça va être bizarre. Ok, donc je. Et après, quand tu finis là, le sexe ira. L'altar, how it takes you there. Non, toi, mais tu as l'impression que tu as même ton femme et même ton homme. And you have the impression that she will forth and does the love. Et tu as fait quoi, ton père? And what did you do to your father? J'ai fait de ça qui m'ont passé en bas. Hein? Il y a ça aussi dans José-Denis. Oh. Did they succeed because she let out, but she let out. No, that she loved her husband. No, no, it is normal. What is saying is really normal. Pay for school, it's a duty. The things that the father cannot react. Et je sais que tu aimes bien ton mari. Non, that you don't, your father. Ça, je l'ai su dans ta manière d'interagir tout à l'heure. Je l'ai su. Parce que si tu n'aimes pas ton mari, ça te. Non, ça te fait du tic au tac. Je suis que quand il y a un problème, l'amour, et c'est ça qu'il faut aimer. Ne pas te mettre dans une relation que tu n'aimes pas. Et on a su qu'elle aimait son mari, donc on n'est pas gâché, ça ne peut pas me maîtriser. Donc, son délire donne l'avarice. Enlevez pour vous. Il y a des gens qui sont en bas ici. Je veux que les sociétés enlèvent ça. Venez pour aller voir. Venez prendre. Il y a des gens qui sont en bas ici. Venez prendre pour elle. Allez, connaissez en toute personne. But the source for her is. Don't get that bad sorcellerie, sir. Can you think it's a sorcellerie? I just to say that this person cannot share. Moi, l'argent ne commence pas. Non, je suis désolé. Je suis arrivé à ce stade où l'argent n'a pas de pouvoir sur moi. Money has no power. Non. L'argent ne dit absolument rien. Money is nothing for me. Ça ne peut pas. It cannot. Je peux lui donner l'argent sans problème. Je n'ai pas de problème avec ça. On dit vous qui ne faites pas ça, à la sorcellerie derrière. Vous avez bien compris. Faut qu'on bénisse la délivrance, on va délivrer. Ce soir derrière la maison. Faut que chaque membre de l'église passe à la délivrance. Derrière. Donc vous donnez ça aussi. Et tu as gâté quoi? Quand je dois participer avec quelqu'un, on me demande de mission. Et le transforme chez Val. À ton papa. Le chef. Le chef, mon père, le chef. Money that I have is for God. Si ça doit sauver ton mari, this to save your husband. Je vais aller manger poulet. Moi, je dis ça, oui. Poisson. Chicken. Ah, chicken. On se connaît. Je préfère donner pour sauver quelqu'un. Amen. Prefer giving. Là, c'est quoi? On lui dit, il a béni. Il a rendu money. Tell him to come. D'accord? Parce que si tu veux avoir le prophète à la maison, c'est quoi? Because if you don't have the prophet in your house, on va régler pour qu'il arrive là-bas. We need to solve it before my arrival. Tell him to come.
puis on va l'aider. Délivrance, ça c'est pour ça. C'est pas quand le monsieur a l'argent, c'est pour l'aider à sortir d'une situation. And then to help him so that he can be out of the situation, so that he can remember if he's released. Tell him that we love him much. We'd like to see him here. Our elder brother. Do you want to go? We're going to have to. But it's so that he cannot be focused on the on his studies. But it's so that he cannot be first in the schools. But how did he manage? I take out the spirit of intelligence. Intelligent qu'on a ça, petit gigale, channel. Ah mais petit, quelqu'un y a pas giga de quoi? Petit y a pas un giga, après en bas de un giga de quoi? Méga octet. Hein? Méga octet. Méga quoi? Octet. Octet mais c'est parti. Maintenant quand c'est vide c'est quoi? Non maintenant quand c'est vide, quand y a plus, y a pas. Hein? Le bit. Hein? Un bit. Voilà, un bit, voilà, c'est comme ça. Merci. C'est les formations, ça m'aide. Il y a des gens qui ont. C'est quand 1000 gigas. Nos cerveaux là, c'est des plus de 3000 gigas. Hein? On n'oublie pas la mémoire là. Oh, oui, c'est une carte mémoire. La carte mémoire. C'est cette capacité de retenir qui te donne l'argent. Quand on va à l'école, on dit qu'il faut retenir. C'est là, c'est que tu as retenu là que tu. C'est ce que tu connais. Quand on te donne. On ne te dit pas ce que tu n'as pas fait. Mais tu ne peux pas retenir. C'est ça que tu es nul à l'école, tu dois faire. C'est ça. La science, c'est ça. L'être humain, c'est l'être million, regardez que la science. L'ordinateur, c'est l'homme. C'est tout. Le computer, c'est là. Ils enlèvent ça. Tout ce que tu as appris là, zéro. Parce qu'on enlève ça. C'est ça que tu priais pour que ça soit renouvelé. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui dorment sur la lumière, arrêtez de dormir sur la lumière. C'est pas bon. Pour la mémoire de l'homme. Je vous donne aussi. Je vous donne aussi une stratégie. Quand vous dormez sur la lumière, votre cerveau, c'est votre travail. Ce qui fait que quand vous réveillez, le cerveau est fatigué. Éteignez la lumière. Quand vous éteignez la lumière, le cerveau se repose. Et quand vous allumez la lumière, quand vous dormez sur la lumière, ou même dormez sur une musique, le cerveau travaille. Vous risquez d'avoir l'Alzheimer plus tard. Parce que le cerveau doit se reposer. Then when you sleep, les enseignements qu'on vous donne. We're giving you some teaching. Et puis celui qui va avoir une mémoire bien. And the one would like to have manger la patate. La patate, vous voyez là. Manger ça tous les soirs avant de dormir. Oui. C'est la force des Japonais. C'est des secrets comme ça pour souvent vous partager. La mémoire là. Donnez ça à vos enfants la patate. Vous voyez ça, mes patates là, ça renouvelle beaucoup de choses, ça crée beaucoup de choses. Dieu a tout créé dans la nature. Mais évitez la musique pendant que vous dormez. Évitez la musique. Évitez la lumière. Éteignez tout. Quand vous éteignez tout, tout se repose. Amen. J'ai cette connaissance maintenant. Hein. C'est pas... Et d'autres, depuis ça m'aide. Souvent les gens sont réveillés et puis sont fatigués. Parce que le cerveau, tu as dormi sur la musique, c'est dangereux de dormir sur la musique. Parce que le cerveau travaille. Ou bien dormir sur la musique, la lumière, le cerveau, c'est quand ça s'éteint tout ce qui est en bas. Ça va? Je vais come in. Fish! Fire! Comment? À l'esprit de la sorcellerie, de quitter ton corps, so leave your body maintenant, right now, dans le nom de Jésus. In Jesus' name. L'esprit de la sorcellerie, the spirit of witchcraft, te libère
release you dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Maintenant. Right then. Restore the power de la sorcellerie of witchcraft in your la puissance the power dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Sortez! Out of him. Out. Tu vas la libérer. You release it. C'est un ordre. It's an order. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Release it. Lâche-la. Set her free. Tu vas libérer son âme. You release her soul. Tu vas libérer son esprit. You set et tu vas libérer tout son être. And you release all her spirit. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Lâche-la. Release her. 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 Lâche-la. 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 Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Au nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance de Dieu. The power of God. 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 J'ai une série. Do you have a needle? C'est ça? J'ai une série. Do you have a needle? C'est ça? Tu prends pour donner la maladie aux gens. Take it to give sickness to people. Aids. C'est ça? Ça veut dire qu'elle n'a pas tout dit. So she didn't say everything. Seringa, c'est ce qu'on appelle injection. The needle. C'est ce que tu dis. Or injection. You use it. To give sickness to people. Mais pourquoi tu dis pas ça? Why don't you say it? Il y a des éléments qu'elle n'a pas fait sortir, donc l'esprit ne peut pas partir. The spirit cannot go because she didn't confess. Comment tu fais pour donner la maladie aux gens? How do you manage to give sickness to people? Tu les piques comment? Parce que tu as ça. How do you? Tu donnes la maladie mystique. Give sickness, mystical sicknesses to people. Donc ça veut dire que tant qu'il y a des éléments clés, quand tu, as, tu ne dis pas, l'esprit ne se sent pas menacé. So, the spirits se sent pas menacé. Threatened. Pendant que j'ai prié pour toi, l'esprit while I was praying for you, the spirit was good. Tu n'as pas été du voisin. Ça va, tu veux délivrer. You want me delivered? Oui, c'est parce que je n'ai pas tout demandé. Je n'ai pas passé tout le temps avec toi. Je demande de parler, c'est toi qui dois dire les choses. Parce que ça c'est très important. C'est vrai que tu vas pour injecter les gens la maladie. Ça c'est un élément très important que tu veux dire. Give people sicknesses. À ton âge, rien ne dégage sur les needles. What we're doing is really nice. Coïncidence.